Yo, c'est Migorine, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Marvel Snap. C'est un peu random quand j'y pense au final comme vidéo, mais voilà. J'avais un petit deck, voilà, que j'ai. Alors que j'ai pas réellement fait en fait au final, du coup c'est un pote qui a eu l'idée, mais je l'ai juste vite fait remanier avec des cartes que j'ai moi. Et grossièrement en fait du coup l'idée du deck, c'est un deck un peu débile, un peu disruptif en fait, très genre je fais chier l'adversaire. Alors c'est pas le deck le plus parfait pour ça, mais voilà, c'est un peu l'idée, et surtout en fait l'idée c'est de jouer Jubilé, parce que le personnage est plutôt fun au final. Donc on rappelle du coup Jubilé, c'est ajoute une carte de votre deck sur cet emplacement. Alors du coup en fait l'idée c'est en fait du coup de chatter et d'avoir l'infinote. Parce que du coup en fait l'effet de l'infinote c'est qu'en fait du coup si t'as joué une carte avant tu peux pas le jouer. Mais avec Jubilé du coup bah tu t'en fous et genre juste t'es tour 4 tu peux avoir infinote avec un peu de chance et grossièrement c'est l'idée du deck. Après du coup alors on a des cartes un peu random comme par exemple Solar, donc Sunspot, qui est là juste pour vite fait aider, mais surtout qu'en fait je suis en train de le grind en ce moment. Alors Iceman du coup voilà toujours pareil, c'est je refais un peu les cartes très rapidement, mais là du coup normalement vous êtes déjà en train de voir du gameplay. Donc on a voilà, on a du Iceman qui est fort du coup parce qu'il donne du coup plus 1 une carte aléatoire, c'est toujours un peu fun. Et c'est encore plus fort d'ailleurs sur Camartage. Et c'est juste un deck qui fonctionne bien au final sur Camartage, quand j'y pense. On a du coup Korg, toujours pareil avec le. Qui va donner un caillou à l'adversaire. Ça peut être un peu chiant, mais parfois ça peut l'aider, donc c'est un peu l'angoisse. On va avoir Scorpion, puissance moins 1 en carte dans la main de l'adversaire, toujours pareil, c'est disruptif. La sorcière rouge, juste pour faire chier s'il y a un terrain un peu bénéfique pour l'adversaire ou juste un terrain nul pour toi. On va avoir Tornade pour loquer un emplacement, on va avoir bah, du coup forcément Jubilé, voilà. Je suis en train de refaire mes cartes juste rapidement. On a le Super Bouffon qui est une de mes cartes préférées dans le jeu, du coup qui va donner une carte moins 8 à l'adversaire. Donc voilà, c'est vraiment juste pour le baiser. Alors du coup c'est toujours pareil, c'est genre. Si l'adversaire il a mis il remplit l'emplacement au moment où tu t'y attendais pas, donc forcément tu te chopes une carte moins 8 et ça fait chier. Et généralement c'est un peu loose con. Leech que au final du coup je commence à jouer un peu plus au final parce que du coup c'est un T5 qui va ruiner un peu du coup l'effet de T6 de l'adversaire. Donc c'est toujours cool. On a Sandman que j'essaye de jouer un peu plus, mais je suis pas sûr qu'il soit vraiment fort au final. C'est une continue, les joueurs peuvent seulement jouer une carte par tour, c'est un peu l'angoisse. Du coup on va avoir Odin du coup pour réactiver les effets révélés au cas où c'est utile. Alors même si dans ce deck je suis pas sûr que Odin ça soit vraiment le meilleur, mais ça peut être sympa par exemple. Non, ça peut être sympa dans certaines situations, notamment pour réactiver par exemple une Jubilée. Et du coup l'infinote qu'on ne présente plus.